Regardez-moi cette tortue. Un vrai petit chien qui cherche à regarder ce qui se passe à l'extérieur. Coucou toi. Coucou toi. Oh là 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 là. Elle est, en fait, elle est sur ses deux pattes là, elle a réussi à grimper. Allez, tu descends maintenant. T'as eu ton petit bonjour, t'es contente. Hello à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous retrouve aujourd'hui sous le soleil en ce jeudi. D'ailleurs, ça fait. C'est un peu éblouissant là. Donc là, on est sur la route pour la maternité, pour le rendez-vous, l'échographie du 6e mois. Voilà, on va voir notre petit boy. Donc, j'ai hâte de voir si. Je vais éteindre la boutique. J'ai hâte de voir si tout va bien. Je pense que, a priori, tout va bien. Mais on n'y est pas retourné depuis la fois où on est allé aux urgences. Donc, voilà, j'ai quand même envie d'une petite vérification, voir si le col va bien. Et voilà, sinon, moi, je me sens bien, tout va bien. Bon, ça y est, on sort de l'écho. Donc, tout va bien, c'est nickel. Elle nous a confirmé que c'était bien un hyperactif, non, enfin pas hyperactif, hein, mais qu'il bougeait vraiment beaucoup, mais que ça voulait pas dire qu'après il soit pour autant hyperactif. Hein. Donc là, on n'a pas vu, on n'a pas eu de belle écho de son visage parce qu'il s'est caché les mains comme ça devant son visage, donc on n'a pas vu vraiment son visage aujourd'hui. Mais voilà, le principal c'est que tout va bien et enfin, voilà, il bouge toujours autant et c'est normal. Donc sinon, bah, là on profite un petit peu du soleil. En sortant de la maternité, il y a une petite caravane qui est installée et qui vendait pas mal de trucs à manger, etc. Jack tout a pris un cookie Nutella et je suis dégoûtée parce que c'était le dernier. Donc tu me feras goûter. Et moi je me suis pris un smoothie plein de vitamines avec plein de fruits pressés. J'adore ça en ce moment. Voilà, voilà. Oh, il est gentil. J'allais dire, non, il me nargue. Prends une petite croque et puis je. Ah, tout ça, c'est pas pour moi. Non. Bah, si, tiens, allez. Merde. Bon, on est bien rentré de la maternité. Donc, j'ai juste oublié de vous dire dans le petit débrief de l'écho, c'est que donc je suis à 26 semaines, donc dans mon 6e mois. Et en fait, là, pendant quand même, elle me faisait l'écho, j'ai eu une contraction. C'est trop bizarre, enfin moi je le sais pas, je savais pas que c'était ça. C'est la sage-femme qui dit ouais, déjà elle dit une contraction en fait, mais c'est vrai que ça fait quelques jours que je sens que parfois ça fait tout dur en fait au niveau de mon ventre. Ça fait pas mal du tout, hein, je le ressens pas du tout, mais c'est bizarre au toucher, ça fait vraiment très très dur. Donc je savais pas que c'était des contractions, mais apparemment oui. Donc elle m'a dit que c'est parce que je suis encore trop assez active, voilà, au moindre effort que je fais, ben du coup j'attrape des contractions, donc il faudrait que je me repose un peu plus, mais j'arrive pas. Donc sinon je voulais vous parler aussi d'un bon plan. En fait, chez Match, j'ai reçu cette valise et je me dis que ça tombe à pic parce que justement hier j'ai regardé la vidéo de Je ne suis pas jolie qui va bientôt accoucher, c'est une youtubeuse aussi, et du coup elle a fait sa vidéo sur sa valise de maternité et c'est une vidéo que vous m'avez déjà demandé. Donc bon, bien sûr moi elle n'est pas encore faite et d'ailleurs j'avais pas de valise, donc ça tombe trop bien, je vais me servir de celle-ci en tant que valise de maternité. Donc pour l'anecdote, en fait c'est des bons plans en ce moment si vous avez des magasins Match près de chez vous, si vous avez l'habitude de faire vos courses là-bas en ce moment. Donc jusque mi-avril il y a une promo, enfin une petite opération dans ces magasins. À chaque passage en caisse, en fait vous pouvez cumuler par bon de 10 euros d'achat à chaque fois des tickets. Et ces timbres en fait vous permettent de bénéficier, je vais réussir à parler, de réduction en fait sur toute une gamme de voyages. Alors la marque, j'espère ne pas l'écorcher, ça s'écrit Vanger, je crois, un truc comme ça, Wenger. Alors vous allez me tuer si vous connaissez bien cette marque et que j'arrive pas à la prononcer, mais c'est pas grave. Mais c'est vraiment tout des accessoires, des valises de voyage. Bon, y a encore un plus grand format aussi. Là par exemple il y a aussi portefeuille, donc là j'ai le portefeuille pour homme,
Donc je vous montre du coup la marque écrit. Voilà, comme ça vous voyez vous voyez ce que ça donne écrit. Vous avez des petits accessoires comme ça, des portefeuilles, des trousses de toilette. Il y a vraiment pas mal de choix. Et donc voilà, c'est une offre en ce moment, donc je me suis dit que ce serait pas mal de vous partager mon plan, parce que avec les beaux jours qui arrivent, je sais que tout le monde commence à parler un petit peu de vacances, etc. Et des valises, franchement, je sais que des rigides comme ça, c'est vraiment pas mal. Avant, je prenais toujours des petites valises en tissu et ça se craque trop facilement. En plus là, il y a 4 roulettes, donc ça c'est trop bien. Donc voilà, ça tombe vraiment à pic et celle-ci, bah, elle me servira pour la maternité. Et du coup, bah, je vous ferai cette vidéo une fois qu'elle, voilà, dans 1 ou 2 mois, hein, j'y suis pas encore. Je l'ai pas encore faite, mais je vous ferai ma valise de maternité grâce à la valise de chez Match. Donc voilà, c'est vraiment de la marque, voilà, c'est de la très bonne marque. Et grâce aux petits timbres là-bas que vous pouvez collectionner, bah, vous avez des réductions de jusqu'à moins 70% sur tous les produits. Donc là, je viens de terminer le montage du vlog d'hier, donc il va bientôt se mettre en ligne. Et du coup, devinez ce que je viens de réserver. Le ciné pour ce soir, on va aller voir 50 nuances plus claires. Enfin, j'ai trop hâte d'aller le voir. Et Greg voulait attendre un petit peu, il dit qu'au début, voilà, quand un film vient de sortir comme ça, il y a trop de monde. Mais voilà, ça fait une semaine je crois là qui est sorti et effectivement là, pour l'instant en fait sur le site de Pathé là où on réserve nos places, en fait on réserve carrément nos sièges. Et il y avait encore, enfin voilà, là, toute la salle était presque libre, hein, il y avait 15-20 sièges de réservés déjà mais pas plus, donc voilà c'est bon, on va pouvoir enfin aller le voir ce soir, donc j'espère qu'il sera bien. J'ai entendu tout, j'ai eu des personnes qui m'ont dit qu'il était nul, d'autres personnes qui ont adoré, donc on verra bien. Bon, comme d'habitude, je vous retrouve le lendemain pour clôturer le vlog. En tout cas, hier, bah, nous, on a adoré le film 50 nuances plus claires. Une très belle histoire, franchement, j'ai adoré. Et juste pour celles qui l'ont vu, voilà, il y a des petits rappels. Enfin, moi, je me suis un petit peu vue dedans, du coup, voilà, dans le film. Donc voilà, bah, moi, j'ai beaucoup aimé, Greg aussi, et puis... on a réussi parce qu'il n'y avait pas trop de monde non plus au ciné. On a attendu une semaine que ça passe. Et du coup, bah, c'était parfait. Voilà, donc sur ce, bah, je vais vous laisser. Et je vous dis à demain pour le prochain vlog.